Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu d'une guirlande d'extérieur. Puisqu'elle est IP44, elle peut donc se mettre en extérieur et résistera à de la pluie. Par contre, évidemment, elle ne peut pas être immergée. Donc, on fera tout de même attention avec. Donc, elle arrive dans ce simple emballage cartonné blanc. Hein. On voit pas de marque, rien. Donc, on a la guirlande qui est enroulée. Hein. Elle fait 4 mètres, mais alors 4 mètres, ça comprend 40 cm de câble. Voilà, avec le boîtier au bout. Et donc, on a vraiment 3,60 m de boule, on va dire, alignée. Donc, fonctionnement simple, hein, on a la boule bleue, orange, verte. Et en fonction d'où on se trouve, ça fait un peu rosé, violet, enfin plus rosé quand même. Et ça, on enchaîne ensuite de la même façon, bleu, orange, vert, rosé. Et le boîtier, il est là. Donc, on met tout simplement trois piles. Là, j'ai pris les premières qui venaient. Elles sont pas fournies avec, c'est des Eder 06. Donc, on les met, boîtier étanche. Hein. On appuie. Donc là, j'étais en position allumé, steady on, donc c'est toujours allumé. Donc là, je viens de couper. Ensuite, on a la première qui est une combinaison, comme on peut le voir. Hein. Combinaison. Donc ça fait tous les programmes, en fait, les uns après les autres. On a sinon le deuxième, c'est par vague. Alors, voilà, des vagues plus ou moins rapides, hein. Des fois c'est un peu plus lent, après ça accélère. Le troisième mode qui est séquentiel. Donc voilà, ça alterne avec toujours deux couleurs alternes et les vitesses aussi, plus ou moins rapidement. Ensuite, c'est la position dite slow and glow. Donc ça vient et ça descend. Donc plus ou moins rapidement, toujours pareil. Donc on change de couleur. Et puis voilà, ça c'est une position assez sympa. Après, ça ira un peu plus vite, il me semble, parce que ça, la vitesse aussi joue. Hop, on change de couleur. On rechange de couleur. Voilà, c'est un peu plus rapide qu'au tout début. Le mode flash qui est comme assez agressif. Le sixième mode, slow fade. Donc on le voit. Sympa, là c'est tout en même temps. Et puis bah, toujours pareil, hein, ça joue à la fois sur... Enfin, il y a les quatre couleurs d'allumé, mais la vitesse du coup, on va plus ou moins rapidement. Le septième mode, qui est un mode flash encore plus énergique. Et le dernier, toujours allumé. Et ensuite off. Donc voilà, bonne petite guirlande, hein, on est juste un peu au-dessus des 10 euros. Et bah, voilà, ça fait bien le travail. Sans se casser la tête, une petite guirlande extérieure. Alors, les finitions sont pas exceptionnelles, exceptionnelles. Hein. Ça reste du plastique basique, et puis on voit qu'il y a de reste un peu de plastique sur certaines boules, hein. Mais rien de délirant. Et puis, bah, tout fonctionne. On voit, il n'y a pas une LED qui est cassée. Donc, des fois, ça arrive. Là, c'est pas le cas. Donc plutôt une bonne pioche pour cette petite guirlande qui dépannera bien, ou qui pourrait même en décoration dans une chambre ou en extérieur de temps en temps. Alors je pense pas qu'elle soit vraiment destinée quand même à l'écueil IP44 à être en continu dehors. Hein. Ça sera plus ponctuel que toute l'année dehors. Voilà ce qu'on peut dire en quelques mots sur cette guirlande. J'espère que cet aperçu vous aura été utile. Merci, bye bye.